Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg, s'ils ne vivent pas dans la même ville, ils seront en couple à l'écran. Suite au décès de sa demi-sœur Kate Berry en décembre 2013, Charlotte Gainsbourg a pris la décision de quitter Paris pour aller vivre à New York. Mais si le couple qu'elle forme avec Yvan Attal reste soudé, ils se retrouvent souvent séparés à la New York où leurs enfants poursuivent leurs études et lui à Paris où il mène de front ses différents projets artistiques, au théâtre avec notamment la pièce Le fils de Florian Zeller ou au cinéma avec Le Brio. Ce dernier s'était d'ailleurs confié à ce sujet dans Thé au café en juin dernier. Cette année, avec le théâtre, c'était très particulier. J'ai vécu et je vis encore quelque temps seul dans l'appartement qui est moins joyeux que quand tous mes enfants sont là, avait-il alors déploré. Il avait également ajouté que cette séparation devrait durer encore 2 ans le temps que leur fille aînée passe l'équivalent du bac aux États-Unis. La maison, c'est quand même Paris, quoi, faut pas déconner, avait-il alors conclu. Mais le couple va finalement se réunir plus tôt que prévu autour d'un projet en commun. Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal vont en effet se retrouver une nouvelle fois à l'affiche d'un film qui sera mis en scène par le comédien et réalisateur. Celui-ci va donc repasser derrière la caméra pour adapter le roman de John Fante, Mon chien stupide. L'histoire se concentre sur la vie d'un écrivain qui a eu un énorme succès, il y a 25 ans, mais qui depuis peine à retrouver sa créativité. Entre-temps, il s'est marié, a eu 4 enfants, et réside dans une superbe maison. Mais il rend responsable sa famille de sa perte de talent. Un jour qu'il rentre chez lui, sa femme l'attend devant la porte. Elle pense qu'un ours est entré dans la maison. Mais en réalité, il s'agit d'un chien. Un matin de Naples, dont l'arrivée va bousculer tout l'équilibre familial. Ce nouveau long métrage sera la 5e collaboration entre Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg après Ma femme est une actrice. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, dono disturbé ils sont partout.